Salut à tous et à tous, ici Super Canon, si appelé ça, et on se retrouve pour un nouveau Let's Play, encore un autre, et oui, à la place de Shield 21. Attention, traduction non officielle, cette traduction ne peut être l'objet d'une quelconque transaction, et ce que soit sa nature, veuillez respecter notre travail pour obtenir d'autres transactions. Connectez-vous à la suivante. Presta, voilà. Un jeu de Marius Entertainment EX, version française de la Pocket Traduction, bravo à eux. Et oui, alors très peu de gens, je pense, connaîtront ce jeu. Non, c'est pas vraiment un... Quand je disais que c'était un let's play, je ferais pas un let's play dessus en fait. Ça dépend. Parce que je connais pas le jeu en fait. Ok, je vais aller se faire écraser. Il est. Voilà. C'est pas mal pour de la GBA. Alors, Shinobu Maehara. Ok. Maehara. Hein? Par contre, le son n'est que dans une de mes oreilles. C'est. Ok, bon, comme d'hab, le cliché raciste. Koalasu. Kaolasu. Alors, c'est que dans une oreille pour le moment. Moktoko Yohama. Ok. Est-ce que. Attendez, ça me perturbe. Pourquoi c'est que dans une oreille? C'est pas. Ok. Mitsume Kono. Bon, écoutez. Alors, la musique n'est que dans une oreille. Attendez. Merde, je l'ai pas là. Bon. Bah, écoutez. C'est que dans une oreille. Love in Anel, la cloche de bénédiction. Voilà le nom de ce jeu. Non, ça va, c'est juste la musique en fait, elle est juste dans une oreille. On va chercher à comprendre pourquoi. Bon, bah, à nouveau, hein. Je vais jouer à ce jeu. Alors, Urigashima est encore premier. Urigashima est encore premier. Keitaro ira à Todai. Yes, c'est sûr. Hirashima, comment fais-tu? Ah, c'est le mec qui a fait se faire écraser. C'est pas si terrible. Vous voulez me féliciter? Vous voulez me féliciter? Merci. Alors par contre, vous voyez, les musiques ne sont que dans une oreille. Je sais pas ce que c'est comme style de jeu. Je crois que c'est un jeu à la manga. Merci. Tu peux me lâcher. Ah, désolé. Je rêvais. Tu as l'air content. As-tu réussi ton examen? Bah, je pense bien. Je pense bien. Ah, très bien. C'est nous. Shirai et Itani. Hirashima, Keitaro. Classé 27e. Depuis la fin. Ok, 27. Ne me touche pas. Idiot. Ok. Je devais savoir ça comment. Tu sais, il paraît que si des amoureux entrent ensemble à Todai, ils vivront heureux toute leur vie, pour toujours. Ok. Kei. Quand on sera grand, est-ce que tu promets qu'on ira à Todai et on se mariera, c'est ça? D'accord. Alors oui, ce que j'ai compris, c'est un jeu. C'est un jeu à dialogue, quoi. Je dois faire quoi là? Je me demande ce que ma grand-mère me veut. Elle habite à la résidence Hinata. Joli, je vais lui faire son portrait, mais elle a l'air si triste. Elle devrait sourire. Ok. Quand même, les big up aux mecs qui ont traduit le jeu, c'est mieux. Je ne suis pas trop mauvais en dessin. Oh, mais que. Ok, les
Les vieux. Attendez. Eh! Eh! Oh! Rendez-le. Rendez-le moi. Oh! Pff, les vieux qui soudent la gueule du gosse. Eh! Ah! Ah! Oh! Putain, ça anime sur deux frames. C'est même pas animé quoi! Mais je. Bande de vieux croutons. Pourquoi me dessines-tu comme ça? Vaut mieux le faire le mec et tu as fait ça en pervers. Ah shit. Bon, je suis désolé. Putain, je suis une merde. Ça fait un bail que je ne suis plus. Je ne suis pas allé à la résidence. Bon, écoutez ça. Résidence, salut, mamie. Rentre. Appelez encore. Pour être sûr qu'elle entende bien. Personne. Ah bah. On pourrait croire que c'est un des. Attends quoi? J'attends quoi moi ici? Il y en a marre. Ah, c'est mieux. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Ah. Ok, très bien. Ça, c'est pas japonais. C'est rien. Mais c'est le côté des filles, des femmes. Ah. Les sources chaudes et de côté. Ah ok, très bien. Kitsume, tu prends un bain sans moi. Ouais ok, très bien, ça commence bien. C'est pas un ishi. Oh ok. Ok mais. Ok. Ou encore quoi? J'ai choisi la bonne fin. Aïe. C'est pas ce que tu crois. Tu te trompes, désolé mais. Je sais pas. Tu te trompes! C'est un malentendu. Je t'assure. Un malentendu? J'aurais dû fuir. Pervers! Hein, c'est qui? Kitsune, arrête! Arrête ce pervers! Fuir. Par le jardin. Putain, elle a pris du. Prends ça. Pourquoi moi? C'est quoi ce. Haruka-san? Lui là, il m'a touché les. Ah il a. Ah donc j'avais pas compris. Ah le vieux saint. Keitaro, t'es là? Tantairuka. Tante. Ah bah bravo. T'es vraiment étudiant à hein, Todai. C'est bon ça. Todai, vous avez vraiment besoin d'un gérant. Et Keitaro, tu as besoin d'un endroit où dormir. Au fait, tu en es où avec tes études? Tu es en deuxième année, ok. C'est ça? Non, en fait, tante Haruka. Hein, comme ça, mais ça va pas. Non, un homme ne peut pas gérer un pensionnat de filles. Si je demande à. Abandonner, fuis le versu. Tu as raison.
Quoi, ça finit le jeu? Je pense pas que ce serait un... Je ferai plusieurs vidéos. Parce que bon, apparemment là, je suis presque mort. Je suis là, même si vous avez besoin d'un gérant. Je ne veux pas mourir jeune. Connard. Abandonner est trop. Est trop simple. La pension ne deviendra jamais ce qu'elle aurait plutôt dû être. Tu devrais réessayer. Tu parles. Ah, le jeu parle un mot. Ah, très bien. Ah, très bien. Ah, très bien, j'ai. Il ne fallait pas abandonner. Ah, bah écoutez. Ouais, c'est un jeu. Ah, ouais, très bien déjà. J'ai pas lu assez d'animés pour arriver à ce résultat-là. Bon, bah écoutez. Bon, je passe, hein. Écoutez, on va recommencer. 10 minutes, hein, le truc, quand même. J'aurais dû faire autre chose. Fin à roue. Ah, j'ai fait. Ok. Je suis dans une phase spatio-temporelle qui m'empêche. Très bien. Donc en gros, t'as des trucs qui te font game over. Très bien. Bon, je m'excuse, hein, je vous ai remis le truc. Pourquoi j'ai sauvegardé alors si c'est comme ça? Non! Nouveau jeu. Ça, on l'a vu. Je remonte. Ah, en fait, je confonds. Là, il rêve. Tu peux me lâcher. Ah, désolé. Je rêvais. Tu as l'air content. Tu as réussi ton examen? Je l'ai loupé. Gros naze! Je sais pas, être honnête. Bon, écoutez, là, je passe. Pourquoi me laisser une thune comme ça? C'est mignon. Tu es bien plus joli avec un beau sourire, non? Je suis désolé. Le genre, il y en a marre. Là, la scène, là. Désolé. C'est un malentendu. Merde, il fallait pas faire ça. Regardez, l'accélérance est beaucoup plus vite. Bon, je me suis trompé, je voulais mettre autre chose. Je voulais m'excuser. Toujours ça. Ah, ok, ça. Ah, très bien, j'ai plus de 3 vies. Café, vous aussi. Faut un gérant de toute façon. Merci. Je l'ai déjà vu. Mais où? Heiko. Génial ce bain. Je me sens mieux. Ah, je vais noter tout ça. Ah, il se rit. Ouais, voilà. Inata. Attends, c'est quoi? Pierre, je reprendrai là. C'est pas bon de faire croire que je suis à Tedai. Je devrais pas l'honnêteté toujours.
Je vois. J'ai fait erreur. Tu as encore échoué. Je pense dire la vérité à tout le monde. Où est l'intérêt? Si tu abandonnes, tu peux oublier Todai et Hinata. Tu vas perdre son. Il y a des bons et des mauvais. Je me rappelle qui il est. Ouais, okay. Ouais, l'ami d'enfance. J'aurais dû mentir, bah écoutez. Urashima Kaitaro, classé 27e depuis la fin. Au test d'entrée de Todai. Toi, mais que fais-tu ici? Tu m'as pas reconnu? Ok. Narusegazan, tu nous as menti à toutes à propos de Todai. Et tu crois qu'en nettoyant le sol, tu réussiras à te faire pardonner? Non. Donc on m'indique qu'il n'y a de bon, mais je n'y crois pas. Je vous dirai là à toutes avant de partir. Partir? Non. Nous perdrions notre gérant. Ah! Tu es plus mignon sans tes lunettes. Oh, très bien. Waouh, waouh, waouh. C'est comme le poids de la vérité. Narusegazan. Je dois rêver. Bon, ok. Minable. Vous deux, mais Naru s'amuse. Pas du tout. On discutait juste de Todai. Keitaro me donnait des conseils pour réussir. Hein? Pas vrai? Ouais. Génial ce bain. Ah, ok, je me sens mieux. Venu chercher un mari, je deviens le gérant d'une pension de jeune fille. Finalement, ce n'était pas une mauvaise journée. Bon allez, on continue un petit peu. Nu gérant. Non, niveau 1. MV gérant. Bon écoutez, je sais pas si je vais continuer. Je sais pas si... Bon, écoutez, on va continuer. Je n'avais jamais rêvé de vivre avec de si jolies jeunes filles. Même si cette Nalusegazan est une fille violente. Ah, je crois qu'elle t'a entendu. J'ai entendu. Ouch. Je vais voler jusqu'où? Ouais, c'est comment ça s'appelle déjà? C'est non, c'est une soudée. C'est une soudée. Deuxième triste Shinobu. Tes bagages sont faits, n'oublie pas que nous partons demain. Oh non, je dis le plus tard. Sinon, on ne sera jamais prête. Shinobu. Je ne peux pas sourire. Comme ça. Lose, qui veut dire perdre. La politique du
Kurdistan. Multiplié par 2, la somme de... on obtient... Ah, Keitaro, pourquoi tu tiens tellement à entrer à Todai? Tu sais, il paraît que si un amoureux entre ensemble à Todai, ils vivront heureux pour toujours. Kei, quand on sera dans... Non, ça c'est un flashback. Hein. Naou, c'est Gaza. Je prononce sans doute très mal. S'il y a 15 ans, un garçon et une fille qui s'aimaient s'étaient fait la promesse de se retrouver à un endroit spécial. On s'en rappellerait, tu crois? Évidemment. Bien sûr que oui. Bien que si cette promesse importante, jamais elle n'oubliera. Ouais, bon, elle a changé la couleur des cheveux, n'est plus là, mais... Naou, c'est Gaza. Désolé. Pourquoi dans tous les trucs japonais, il y a toujours le truc « je suis désolé ». Bon, remarque, faire des excuses, c'est toujours bien. On joue. Pas maintenant. Su, regarde, on a une invitée, mais c'est Shinobu. Comment tu as fait pour arriver si vite ? Shinobu, tu es venu pour jouer ? Non, je... Quoi ? Dis-moi. Eh, y a quoi dans ce paquet ? C'est à manger. Putain, cette tronche. Eh ? Arrête ! Tu dois être une amie de Sou. Tu es venu la voir, non ? Non, c'est un cahier. Allez, ça. Il appartient à un étudiant de Todai. Un étudiant de Todai ? Pourquoi cette agitation ici? Keitaro, c'est ton cahier. Tu l'as oublié hier, donc je te le rends. Pardon. Attends. Sou, explique-moi. Keitaro, crétin. Quoi? J'ai pas compris. Bon appétit. Eh, moi, je suis avec Rotchonen. Hein. Et Rotchonen, ça commence jamais rien. Ça prend son temps. Et ça passe son temps à bouffer. Oula, qu'est-ce qui passe? Ah d'accord, c'était épicé. C'est pas assez épicé, ok. Aïe, tu as mis beaucoup de piment. Non, de curry, ok. C'est à brûle. Je sors dehors pour dîner. Puis boire un coup. On va à Likuzaya. J'espère qu'il lui en reste de quoi manger. Allons-y. C'est fermé. Ah, pourquoi? Hein? Sou a tout mangé. Keitaro, idiot! Eh! Hey, c'est Shinobu. Shinobu, donne-nous à manger. Désolé, mais pourquoi était-elle si triste? Un divorce? Ses parents, oui, le restaurant le ferme aussi, mais que va-t-elle devenir? Je ne sais pas encore. Ses parents se battent pour en avoir la garde. J'ai aussi entendu dire qu'elle avait des problèmes de. À l'école, elle le vit mal. À l'école, il faut l'aider. Il faut l'aider. Keitaro. Attends, ça serait pas. Ouais, c'est Shinobu. Ah bah voilà, je le disais bien. J'ai encore eu ces visions. Je devrais noter tout ça. Bon les gens, on va s'arrêter là pour pour cet épisode. Alors, attends, ah oui, j'ai pas dit le nom du jeu. Alors attendez, attention. Ça s'appelle Love in Advance Sinokufu no Kame no Narakana. Je crois que c'est Love in Advance, la cloche de la bénédiction. Je ne sais absolument pas combien de temps il a ce jeu, mais je pense qu'il est pas long. C'est un jeu japonais, les jeux japonais ça dure quoi en moyenne 5 heures, là on en a fait une demi-heure. Bon écoutez, une fois par semaine, c'est sympa de voir ce genre de... Bah c'est un petit manga animé, on va dire ça, même si je suis une très nul. Faut le dire, j'ai pourri là, la game est plus la merde. Donc les gens, on va se retrouver pour un prochain épisode de... Bah on va appeler ça de Love in Advance. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Parce que oui, c'est un petit peu spécial. Il n'y a pas beaucoup de gameplay. C'est juste je lis et je réponds à la merde. Bah, en même temps, je pense pas que si j'aurais répondu à l'une. Vous voyez le truc où j'ai dit Sou à tout manger. J'aurais répondu là. Je sais pas si. J'aurais perdu une vie. Non, bref. Je pense que chaque jour, tu regagnes des vies. Tu vois, ils se baignent. Ils gagnent 2 points. Voilà. Je pense que ça fonctionnera comme ça.
Enfin bref. Enfin bref, chers amis, on se retrouve à bientôt pour la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Love Inna Advent. D'ici là, portez-vous bien. C'était Super Arcana, vous les studios.